Hello, bonjour à toutes. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo présentation. Alors, concernant les calendriers de l'Avent. Celui d'Audrey, j'ai tout fermé, j'ai fermé le carton, j'ai tout fermé. Je me suis dit, mince, j'ai pas fibé. Donc, Audrey, c'est pas gênant puisque faut aller sur sa chaîne et puis vous verrez ce que j'ai fait. Donc, Eau de Family ou Eau de Scrap, je confonds toujours entre son Insta et son YouTube, soit l'un soit l'autre, de toute façon vous allez trouver. Voilà. Par contre, je peux vous montrer, puisque là j'allais fermer. Donc aujourd'hui nous sommes le 18. 18 novembre. Donc je suis en train de boucler tout pour déposer au Mondial la semaine prochaine. Donc, je vous montre donc dans le cadre de l'échange calendrier breloque, mon binôme et Fanny. Fanny, elle est sur Insta, je suis en train de chercher. J'ai son nom de famille en tête, mais je ne suis pas sûre que son Insta. Je vous mettrai son Insta en barre d'infos. Ouais, ce sera plus sympa. Elle n'a pas de chaîne YouTube, Fanny. Par contre, elle a un Instagram. Donc, je suis tombée avec Fanny. Moi, j'ai fait les deux petits sacs. Voilà. Elle m'a donné une idée pour son cadeau du 25. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai suivi ce qu'elle m'avait demandé. Et en plus, elle voulait qu'on fasse un petit happy mail. Un petit happy mail, comme j'ai l'habitude de faire. Que je fais souvent en forme de mini-album. Donc voilà. Et moi, je lui ai ajouté une petite bricole en plus pour le 25. Donc, je vous montre déjà. Donc, j'ai fait un petit sac argenté et j'ai fait un petit sac doré. Donc, le argenté, ici, il y a des petites breloques argentées. La décoration est comme ça. Là, on sait comme si. Une déco assez simple, voilà. Et donc là, nous avons les chiffres en doré. Tatati, tatata. Voilà. Et donc, quand on ouvre, ça se déplie comme ça. Et donc, voilà. Sauf que je me suis aperçue en ouvrant que ceux-là, je voulais les emballer et ils ne sont pas emballés. Donc, il va falloir que je les emballe. Ça m'arrange pas parce que je voulais boucler le schmilblick, mais bon, je vais les emballer. Donc voilà. Donc ça, c'est ce qui concerne la partie argentée. Tac, tac, tac. Et donc j'ai fait la version dorée, donc avec les breloques. Hop là, de ce côté-là. Donc je vous montre la petite déco. J'ai mis des petits pieds. Voilà. Là, il y a les chiffres de chaque côté. J'aime beaucoup ce petit sac. Je l'ai fait en plus grand. Vous l'avez peut-être vu dans une vidéo présentation ou pas encore, je sais pas. Parce que là, je suis seulement en train de créer, mais normalement, ça doit partir avant Noël. Et là, par contre, ils sont emballés. Voilà, j'ai emballé, j'ai mis deux, machin. Donc, il faut absolument que je fasse l'autre. Il faut absolument, absolument, absolument. Voilà. Donc, ça, c'est le calendrier breloque. Voilà. Je suis en train de me dire que vous allez voir cette vidéo après le 25. Donc j'ai envie de vous dire joyeux Noël. Voilà, j'espère que vous avez été bien gâtés. Donc ça, c'est ce que moi j'avais envie de lui ajouter. C'est des petits kits que j'ai achetés sur Shein. Je vous le dis, hein, il n'y a pas de suspense. C'est des petits kits. Donc vous avez un seau. Vous avez la cuillère, vous avez le stylo gold. Alors j'ai trouvé ça rigolo, il y a un pins. C'est marrant. Et vous avez la bougie. Et j'allais dire, il y a de la cire aussi. Voilà. Et puis vous avez des petits cachets de cire. Bon, les couleurs sont pas forcément ouf ouf, mais il y a du joli rose, il y a du joli mint. Donc bon. Le rouge, l'orange est pas vilain. Enfin bon, voilà. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'avais envie d'ajouter. Concernant le 25, elle m'avait demandé une boîte pour ranger. Alors moi, j'y range mes sequins, mais je ne sais pas si elle compte y ranger ses sequins ou pas. Mais bon, dans le doute, voilà, j'ai pris ça. Et donc, on avait dit un petit happy mail. Et donc, j'ai fait un happy mail avec la collection que je suis en train de chercher le nom. Diciembre de Mintopia. Une collection maintenant qui a quelques temps, mais
J'aime beaucoup la scraper. Et je l'ai beaucoup scrapé cette année. Voilà. Donc ça, c'est pas de la collection, mais c'est d'une autre. Quoique si, je crois que c'est de la collection. Ah, je sais plus. Bon, bref. J'ai ajouté ceci. Donc voilà. À l'arrière, c'est comme ça. Et j'ai mis mon petit tampon que Adeline, mon plume scrap, ah ben j'arrive pas à parler, m'avait offert lors de notre échange calendrier. Là, je vois qu'il y a une tache. Qu'est-ce que c'est? C'est de la colle. Voilà. Il est temps que je l'emballe celui-là parce que je vois qu'il y a des traces de colle partout. Je fais comme chez moi. Hein. Voilà, c'est bon, c'est parti. Tout est parti. Allez, tout est parti. Voilà. Donc, j'ai fait une petite déco que j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup les couleurs. Et donc, c'est un passant. Voilà. Un passant. Alors, il y a un petit défaut ici. Le papier est un petit peu arraché parce que j'ai mis de la colle comme une nouille pas au bon endroit. Il y a des choses qui arrivent. Mais ça se voit pas quand il y a la déco. Donc, bon. Donc, voilà le petit passant. Et donc, quand on ouvre, voilà ce qu'on y trouve. Donc, c'est un classeur qui était déjà prêt à la base. Moi, j'ai juste rajouté des papiers de la déco, quoi. Donc, là, on a des cachets de cire. Là, on a des dots. Voilà. Là, on a des découpes. Là, on a des embellissements en bois. Ici, qu'est-ce que j'ai fait ici? On a des fleurs que j'ai fait moi-même. Alors, attendez, je referme sans abîmer les fleurs, si possible, ce serait bien. Oups là, attendez, j'ai perdu le truc. Voilà. Petite trombone, trop mignon. Voilà, ensuite ici, j'ai mis des petites rosettes comme ça. Et dans celui-là, il me semble avoir fait un poké tool. Yes, je lui ai fait un poké tool. Voilà, un petit poké tool. Tuk tuk tuk. Je suppose qu'elle en a, mais ça lui en fera un de plus. Et donc ici, une petite boîte qui s'ouvre. Et on a un seau de Noël. Voilà. Je vois qu'il est tout cracra. Qu'est-ce qu'il a qu'il est tout cracra? Décidément. En même temps, c'est un métal bizarre, ceux-là. J'en ai commandé plusieurs. C'était tout un lot. Ils étaient vendus en lot. Voilà. Tac. Tac, tac, tac. Je referme, par contre. Voilà. Toc. Donc voilà, un petit happy mail. Un petit happy mail. J'aime bien, là, les petits nœuds. J'ai mis des petits gugus. Je suis rentrée chercher. Je trouve plus le nom. Voilà. Bon, de toute manière, je pense que Fanny, sur son Insta, mettra des petites photos. Et puis voilà. Donc voilà pour la présentation. Moi, je vais emballer tout ça et ça va partir. Mais vous, vous la verrez peut-être le 25 décembre, peut-être le 26 décembre, je ne sais pas. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Profitez bien pendant les fêtes. Mangez pas trop de chocolat. Et puis voilà. Et puis des gros bisous. Allez, à plus.